Vi do il benvenuto, in particolare alle diverse autorità presenti oggi, Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Francia, Alain Leroy, lo ringraziamo di essere con noi, una graditissima sorpresa il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, normalista Paolo Peruffo, grazie di essere con noi. Autorità civili e militari presenti, i nostri ospiti francesi. Come potete immaginare, la prima difficoltà è stata che lingua usare. Abbiamo deciso una sezione di compromesso, per cui useremo diverse lingue, in diverso ordine e composizione, certi della vostra comprensione enciclopedica di tutte le lingue indoeuropee. Almeno. So I'll switch to English to give you another welcome, this time in the official language of science. This is an important day. Mathematics has been a core subject of Scuola Normale since its foundation. We have had many students and professors we are proud of, and some of them will be also mentioned today. Even in this field where individual ability, intuition is so important, being a group, critical mass, interactions, collaborations are becoming important concepts. We have understood this, and as Scuola Normale we have done some steps in this direction. As you probably know, a few years ago, we created, together with the University of Pisa and the Scuola Superiore Sant'Anna, the Centro Ricerche Matematiche Ennio De Giorgi, and the director of the center will speak soon. This has been an important first step. I hope you have a chance also to visit the center in the square right in front of us. This is an important instrument for us, not only to create new knowledge, to foster interactions and collaborations, but also as an instrument to provide new cultural stimuli, up-to-date cultural stimuli to our students, the main objective of Scuola Normale, in the field of mathematics and not only, in the field of all mathematics and its interactions with different sciences. I'm thinking of theoretical physics, computer science, to say a few. Now, today, we celebrate a second important step for us, where we open a new collaborative effort, the Laboratorio Fibonacci, together with the CNRS. We have several people to thank. Some of them are in this room, around me and in this room. And we want to open this new activity in the most appropriate way, that is, starting to work. And as you know, immediately after this short ceremony, we have the first workshop organized by the Laboratorio Fibonacci. Also, this initiative, in the same spirit as that I mentioned before, is open to all areas of mathematics and its interactions. And already the first starting areas of activity in analysis and dynamical systems were defined and written down in the convenzione that created this new laboratory. Being the host, I have the pleasure to introducing some of our speakers today in this opening session, of course. And the first, of course, has to be Guy Métivier, the director of the Institute of one of the institute, but more importantly, with the general responsibility for the Department of Mathematics in the CNRS. I'd like to give him the microphone, thanking him for being here for this initiative, and asking him to choose any language to speak. Thank you.
I choose to speak French and a bit of Italian. Good. Monsieur l'ambassadeur, signore direttore della Scuola Normale Superiore, chers et chers collègues et amis, cari colleghi e amici, je vais commencer avec un peu d'italien. Pour dire che sono molto felice di essere qui oggi per celebrare la nascita di questo laboratorio Fibonacci, la nuova unità mista internazionale del CNRS con la Scuola Normale Superiore. Il CNRS ha 30 UMI nel mondo, 30, e 5 in Europa. Tra il 30, 9 sono collegati con l'Istituto di Matematica del CNRS, il che dimostra che i matematici sono molto legati a questa forma di collaborazione internazionale. Ma je reviens au français. Je dois d'abord expliquer ce qu'est une unité mixte internationale. En premier lieu, c'est une unité. Partout dans le monde, on dit un laboratoire, c'est le Laboratorio Fibonacci. C'est un laboratoire. C'est-à-dire un endroit où on fait de la recherche. Pour les unités mixtes internationales, c'est une situation un petit peu spéciale, parce que pour le CNRS et pour les mathématiques en particulier, c'est un lieu d'invitation, de passage, où les gens viennent, s'en vont, travaillent, collaborent, plus qu'un lieu où des gens passent beaucoup, beaucoup de temps sur des postes universitaires ou de recherche. C'est un lieu de passage. Pour nous, les mathématiciens du CNRS, les unités mixtes internationales sont surtout des structures qui doivent donner un cadre pour faciliter les échanges entre mathématiciens français et étrangers. Ensuite, une unité mixte est une unité mixte. Mixte veut dire que c'est entre une institution, le CNRS, et des universités ou des écoles. Et là, c'est le CNRS et la Scuola Normale Superiore. International, tout le monde comprend ce que veut dire international, mais pour les Français, pour certains mathématiciens français, l'Italie est tellement proche, géographiquement, culturellement, et tellement visitée, que c'è un international dal sapore particolare. Les UMI ne sont pas la seule forme de collaboration internationale pour le CNRS et pour nous. Nous avons aussi ce que nous appelons les laboratoires internationaux associés et nous avons aussi ce que nous appelons les groupements de recherche internationaux qui sont des groupements où se retrouvent des mathématiciens venant de différentes universités sur des thématiques particulières. Il y a 4 GDRI internationaux en mathématiques avec l'Italie sont en mathématiques et physique, géométrie non commutative, géométrie algébrique, contrôle des équations de dérivées partielles. Cela montre l'intensité et la variété des collaborations que les mathématiciens français entretiennent avec les mathématiciens italiens. Des collaborations qui remontent à quelques siècles au moins. Donc l'UMI Fibonacci est un lien entre la communauté mathématique française et la communauté mathématique italienne. L'implantation à Pise n'est pas due au hasard. Elle est évidemment liée à la présence du Centro Ennio Giorgi, évidemment avec l'école normale supérieure, évidemment avec l'université dans le paysage. Mais il s'agit de profiter au mieux, de ces structures et de leurs activités pour entretenir les relations et échanges entre les communautés. Par exemple, l'UMI facilitera la participation de jeunes mathématiciens français aux événements qui sont organisés à Pise, que ce soit au centre de Giorgi, à l'école normale, à l'université, et peut-être certainement même au-delà. Inversement, je pense que suggérer au directeur de l'UMI de demander aux professeurs qui viendront ici
de s'engager à inviter en retour un mathématicien italien dans leur laboratoire, de préférence un jeune ou un étudiant. Alors, per concludere, vorrei ringraziando calorosamente tutti che a Pisa o al CNRS hanno lavorato per concludere in porto questo progetto. Ringrazio anche Stefano Marmi e David Sosa d'avoir accepté de diriger cette institution. Non ho alcun dubbio che questa operazione sarà un successo ed auguro lunga vita al laboratorio Fibonacci. Grazie. No, ti do subito la parola, Mariano, non temere, non temere. Come avete capito, il prossimo relatore è il professor Mariano Ciacquinta, è il direttore del laboratorio del Centro De Giorgi. Io volevo ringraziare ancora una volta il CNRS per aver proposto o accettato questa partnership con noi. Noi lo riteniamo un valore molto importante per la scuola, avremo modo di ritornare sul fatto come sia particolarmente importante per la scuola questo rapporto con la Francia quando parlerà Sua Eccellenza. Chiederei alla struttura che ospita all'interno della scuola questo filone di attività, cioè il Centro De Giorgi, attraverso il suo direttore, di dirci due parole. Grazie. Allora, signor ambasciatore, autorità, colleghi, studenti, signori, signore e signori, sono particolarmente felice di prendere la parola oggi. Il Centro De Giorgi è stato fondato nel 2001 con caratteristiche di centro interuniversitario, essendo finanziato dalle tre istituzioni universitarie pisane, sulla base di una convenzione rinnovabile ogni quinquennio, sempre a seguito di un parere positivo. Fin dalla nascita il centro ha avuto una proiezione europea e internazionale, con finalità tipiche e simili a quelle degli altri centri matematici sparsi per il mondo. Riunire ricercatori sia giovani che meno giovani, con lo scopo di favorire scambi di idee, internazionalizzazione e collaborazione, organizzare periodi focalizzati su rilevanti e specifiche aree di ricerca, relativi sia alla matematica pura che alle interazioni della matematica con gli altri campi. Promuovere la formazione di nuclei di ricerca anche e soprattutto interdisciplinari. Tutto questo è importante soprattutto contribuire a creare un ambiente di ricerca ottimale e competitivo per i giovani. Tutto questo adottando metodi e comportamenti improntati al meglio che l'esperienza internazionale potesse offrire. Ovviamente compatibilmente con le disponibilità finanziarie, purtroppo non sempre generose, se si fa eccezione per la scuola normale che si è sempre distinta particolarmente per l'impegno finanziario, e le normative spesso da noi più sensibili ai regolamenti che alle regole. Questo è il primo anno del terzo quinquennio. E vorrei darvi alcuni dati relativi ai primi 10 anni, cioè ai primi 2 quinquenni. Sono stati organizzati più di 20 periodi intensivi di attività, 2-3 mesi ciascuno, con una presenza media di 80-90 ricercatori per periodi. Circa 80 workshop su argomenti che, oltre a quelli strettamente di matematica pura, vanno dall'evoluzione delle specie, dei mercati, alla quantum information o alla logica e filosofia della matematica, e 8 scuole per giovani post-doc. Uno sforzo particolare è stato dedicato ai giovani intorno ai 30 anni. A partire dal 2004 il centro ha finanziato la permanenza di 14 giovani per 2 anni ciascuno,
di 8 postdoc per un anno ciascuno e di 20 postdoc per periodi variabili da 1 a 6 mesi ciascuno. Queste permanenze, 3-4 l'anno, assegnate sulla base di selezioni internazionali, hanno registrato una media di 80-90 fino a 120 negli ultimi due anni applicazioni per anno. Di questi 42 visitatori complessivi, 24 sono stati italiani e 18 stranieri. Per concludere con i numeri, ci sono stati complessivamente in questi 10 anni circa 4.000 visite. Tralascio invece di parlare dell'attività dei gruppi di ricerca, dell'attività editoriale svolta in collaborazione con il Centro Edizioni della Scuola Normale, ma quello che voglio dire è che questi numeri non direbbero molto se non sommati alla qualità scientifica delle attività svolte al centro, che gli hanno permesso di acquisire un notevole prestigio internazionale. Riallacciandomi all'inizio, perché sono particolarmente contento, ho visto un evidente segno di apprezzamento verso il centro, la scuola normale e l'università nei primi colloqui avuti con Guimet-Thivier, relativi all'idea di costituire una unità internazionale del CNRS presso il centro di Giorgi a Pisa. Infatti, da questi primi colloqui è passato meno di un anno e il centro, il laboratorio, è stato costituito. Sono sicuro che l'appena nato laboratorio Fibonacci arricchirà sostanzialmente l'ambiente culturale pisano e gli scambi del resto sempre intensi e proficui fra matematici francesi e italiani. E auspico che sia particolarmente fruttuoso per la matematica e in particolare per la matematica italiana e francese. Grazie. Sono vari motivi per essere contenti e dare il benvenuto tutti insieme al prossimo relatore. La scuola normale è attualmente repubblicana della Repubblica Italiana, è stata regia, come sapete, è stata granducale prima ancora, ma è nata imperiale francese. Abbiamo celebrato l'anno scorso la presenza dell'ambasciatore di Francia al nostro bicentenario, quindi ci fa un grande piacere, un grande onore che Sua Eccellenza l'ambasciatore Lahua sia venuto con noi. Gli chiederei se vuole portare il suo saluto. Signori direttori, signori sindaco di Pisa, cari professori, cari studenti, cari amici, anche io sono molto lieto, molto felice di essere qui oggi in questa famosissima scuola normale superiore. E come professore Métivier vorrei proseguire in francese, perché sono arrivato in Italia solo da due mesi e non parlo ancora correttamente l'italiano. Sto imparando a marce forzate, ma non parlo ancora correttamente, ma capisco dal rotore che in questa sala tutti capiscono perfettamente il francese. Bien, donc, vraiment, je veux dire le plaisir que moi j'ai d'être ici, dans cette école normale supérieure si fameuse, si importante pour l'Italie, et chacun connaît ses liens avec la France à l'origine, mais chacun connaît sa profondeur aujourd'hui dans l'université italienne, et en particulier pour moi, un ancien très modeste étudiant en mathématiques et en sciences de l'ingénieur qui a eu du mal avec les livres de M. Métivier. Mais maintenant, je suis venu à la création de cette unité mixte internationale, le laboratoire Fibonacci, parce que c'est pour nous un événement exceptionnel. Je ne détaillerai pas ce que sont ces unités mixtes internationales, monsieur le professeur Métivier vient de le faire, mais je veux rappeler qu'il y en a un très petit nombre dans le monde d'unités mixtes internationales de la France, moins d'une trentaine, et c'est la première en Italie. Donc je souhaitais souligner ce fait que nous souhaitons développer la coopération scientifique entre la France et l'Italie,
et je crois que ce laboratoire Fibonacci en est un exemple évident. Il y a une deuxième raison pour laquelle je souhaitais venir, c'est évidemment cette école normale supérieure, qui est une école d'excellence académique et scientifique, et en particulier, dans cette ville de Pise, sous votre autorité, monsieur le maire, je note aussi deux autres établissements scientifiques de très grande qualité, la Scuola Superiore Sant'Anna et bien sûr l'Université de Pise. Je crois que, comme le disait monsieur le maire, la proportion d'étudiants dans cette ville, 60 000 sur 90 000 habitants, est sans doute la plus forte dans le monde, peut-être à l'équivalent de Oxford et Cambridge, mais c'est une proportion absolument remarquable et que je tiens à souligner ici au passage. Voilà, évidemment, je suis très admiratif de la qualité académique de la ville de Pise, et je tiens à souligner également que cette unité mixte internationale intervient dans un domaine qui, à titre personnel, m'est cher, mais surtout qui est très important. Pour nous, c'est les mathématiques, et entre la France et l'Italie, chacun sait bien le nombre de scientifiques, de mathématiciens de très haut niveau que la France et l'Italie ont produit. Je crois que c'est évidemment très important. Le nombre de médailles Fields en est un témoignage, M. Yokoz en est un témoignage, mais il y en a également beaucoup d'autres. C'est évidemment un domaine particulièrement important dans la coopération entre la France et l'Italie. Et on trouve évidemment un nombre très élevé de noms de mathématiciens italiens et français. Ce laboratoire franco-italien que nous ignorons aujourd'hui, et vous avez à très grand propos lui donné le nom de Fibonacci, montre que ces traditions d'excellence sont restées bien vivantes et qu'elles veulent se projeter dans l'avenir par des liens renforcés entre les mathématiciens de nos deux pays. En favorisant la mobilité des chercheurs et surtout en rendant possible pour eux l'accomplissement de missions de recherche de plusieurs mois, le laboratoire Fibonacci répond à cette exigence. Toutes ces raisons nous font penser que la création de ce laboratoire Fibonacci est un acte majeur. Depuis notre ambassade, nous le suivons de près les progrès. Nous le ferons parce qu'à l'ambassade, c'est de notre rôle non seulement de comprendre comment les communautés académiques et scientifiques de nos deux pays interagissent, mais surtout parce qu'il est notre rôle de faciliter et d'accompagner leurs initiatives de coopération. Nos services sont là pour faire progresser autant que possible les relations de travail entre l'Italie et la France dans le domaine de l'université et de la recherche. Et je voudrais souligner ce qui, dans nos interventions, m'apparaît comme une priorité stratégique, le soutien à la formation des jeunes chercheurs. Nous pouvons aider par une bourse d'études de jeunes doctorants italiens à réaliser leur thèse suivant le régime de la co-tutelle italienne et française. Nous pouvons également soutenir financièrement la réalisation de post-doctorats en France. Les nombres sont... Il n'y a pas de très grands nombres, mais nous pouvons le faire, évidemment, pour les meilleurs d'entre vous. Et je sais que les deux écoles supérieures, ainsi que l'université de cette ville, sont déjà impliquées dans des programmes de mobilité de doctorants ou de jeunes docteurs avec la France. Et on m'a rapporté en particulier que sur la centaine de doctorats réalisés en co-tutelle franco-italienne, près du quart... de 25% implique la communauté universitaire de Pise. Je crois que c'est également à souligner. Et enfin, je souhaite vous dire que dans la mesure de nos moyens, et si les responsables de nos pays le souhaitent, nous serons heureux de contribuer, à travers notre programme de bourse, à renforcer la dynamique de coopération en mathématiques que la création du laboratoire Fibonacci vient d'institutionnaliser. Et pour conclure, je voudrais saluer et remercier, bien sûr, tous ceux et toutes celles qui ont rendu possible la création de ce laboratoire d'excellence et adresser tous mes souhaits de prospérité scientifique à toutes celles et à tous ceux qui vont le faire vivre au quotidien. Alors je ne sais pas si les productions mathématiques seront aussi nombreuses que les lapins de M. Fibonacci, mais en tout cas c'est ce que nous espérons, c'est que les productions soient évidemment très, très nombreuses et très prospères. Et je remercie une fois de plus l'École normale supérieure et le Centre de Georgie de cette initiative. Et enfin, je dois dire que nous sommes tous très impatients d'entendre M. Yokoz nous parler des trajectoires régulières ou des trajectoires chaotiques des boules de billard dans quelques instants. Et ce sera un des exemples de la créativité qui règne dans cette magnifique école. Je vous remercie, M. le directeur, de m'avoir invité. C'est ma première visite hors de Rome. Je souhaitais le faire ici parce que pour le pôle d'excellence et en même temps pour cette coopération dans le domaine de la recherche franco-italienne. Grazie mille per la sua attenzione.
Grazie davvero all'ambasciatore per le sue parole. Sta per chiudersi questa cerimonia di apertura, non si può chiudere prima che anch'io ringrazi il neodirettore del laboratorio Fibonacci, è una leading figure, è la driving force, per mescolare un po' d'inglese, di questa iniziativa. E vi prego di applaudire con me per ringraziarlo. Lascerei a lui di condurre la parte scientifica che ora si avvia con l'intervento di Jean-Christophe e noi ci spostiamo per lasciarvi il campo. Allora, Monsieur l'Ambassadeur, signori e signore, autorità, colleghi e studenti, intanto vi ringrazio per essere qui, non dico nulla perché siccome il laboratorio Fibonacci è neonato e a tre mesi i neonati fanno solo dei versi, quindi ho ritenuto opportuno astenermi da qualunque forma di commento, però sono veramente molto felice della giornata di oggi. E sono veramente molto felice che una cooperazione che tra l'altro ha investito a livello personale per me un'importanza straordinaria, quella con la Francia, faccia un ulteriore passo in avanti in quella che è probabilmente l'istituzione universitaria italiana più francofila che uno può immaginare e allo stesso tempo nella disciplina d'eccellenza da sempre, sia per la scuola che per la Francia, che è effettivamente la matematica. In questo spirito credo che non potevamo iniziare meglio che con la lezione del professor Jokoz, che va a parlare di biliardi, billard. Jean-Christophe. Bon, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. J'ai demandé à Stefano dans quelle langue je devais parler, donc je vais parler en français après consultation avec Stefano, et il m'a demandé aussi de faire un exposé qui est quand même plus destiné à des non-mathématiciens qu'à des mathématiciens, donc je m'excuse en quelque sorte auprès des spécialistes qui n'apprendront rien. Je suis très content d'être ici, mais la collaboration avec l'Italie, je pense, ça fait un bon moment qu'elle a été entamée avec Stefano, parlant de PISE spécifiquement, ça fait au moins une dizaine d'années, je pense, et au moins un séjour par an, je crois, hein. Et puis certains séjours qui ont été plus longs, puisque je me rappelle il y a 6 ou 7 ans, où je suis venu 3 mois faire un cours de doctorat à l'école normale, et j'ai eu le plaisir justement à cette occasion de Luca Marquez est dans la salle, donc de récupérer un étudiant que Stefano et moi avons dirigé en co-tutelle, et donc il y a maintenant une thèse depuis plusieurs années, qui est même un poste en France. Ah. Bien. Bon, maintenant j'aimerais passer à la partie scientifique, mais j'ai besoin de... On a pourtant testé ça avant, hein. Voilà, donc le titre billard, donc c'est expliquer quelques idées de façon très informelle, quelques idées de la théorie des systèmes dynamiques à travers une classe d'exemples qui paraît très particulière, mais qui en fait offre des comportements très variés. Alors, laissez-moi peut-être commencer par rappeler en quelques mots de quoi s'occupe la théorie des systèmes dynamiques. Hein? Donc, quel est l'objet? L'objet mathématique système dynamique, c'est constitué de deux choses. Un espace des phases, donc un espace des phases, c'est un espace géométrique, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, parce que ça peut varier énormément suivant le système dynamique considéré, mais surtout, donc, c'est l'ensemble des états possibles du système, et il nous faut aussi une équation d'évolution qui décrit la façon dont le système évolue sur le court terme. Alors, un exemple qui n'est pas celui que je vais considérer, mais peut-être qui est assez parlant et historiquement extrêmement important, hein, c'est l'exemple de la mécanique céleste, où l'équation d'évolution, c'est la loi de gravitation de Newton, qui spécifie la façon dont les corps célestes sont attirés entre eux par la loi de gravitation, c'est-à-dire
inversement proportionnel au carré de la distance, hein, ce qui vous détermine à travers les lois de Newton l'accélération, qui n'est rien d'autre que la variation infinitésimale de la vitesse, la vitesse étant elle-même la variation infinitésimale de la position. Donc, la loi de Newton, c'est l'équation d'évolution, et il faut en déduire les trajectoires des corps célestes. Alors, autant vous dire que, enfin, surtout dans ce cas particulier, c'est loin d'être complètement compris. Hein, et c'est, en gros, le problème donc, de la théorie, c'est passer du court terme hein, au long terme. Et en particulier, sur le long terme, ce qu'on veut comprendre, c'est les propriétés de nature statistique et asymptotique, hein, vers quoi se dirige le système, et quelles sont les valeurs moyennes de certaines quantités hein, au cours du temps. Alors, je ne vais pas décrire la théorie générale, je veux parler de systèmes très particuliers qui sont les billards planaires. D'une part, parce que c'est une classe qui, historiquement, a joué quand même un rôle important, enfin, qui continue à jouer un rôle important, qui motive beaucoup de problèmes, de questions, hein, et qui permet aussi de présenter de façon assez géométrique, enfin, juste avec des figures, quelques idées. Donc, quel est le système? Eh bien, donc, on a une certaine partie du plan, et dans cette partie, il y a une bille, enfin, une bille qui est supposée sans dimension, et qui va se déplacer de façon complètement rectiligne, mais bien sûr, à un certain moment, elle va rencontrer les bords de la table, les bords du domaine considéré, et à ce moment-là, elle va rebondir suivant les lois de l'optique, c'est-à-dire que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et, bon, donc, le problème, c'est de comprendre l'évolution. Donc voilà la loi d'évolution. Hein. On a décrit comment les trajectoires se déplacent. Alors d'abord de façon rectiligne, c'est-à-dire sans force essentiellement, hein, et ensuite par rebond élastique sur le bord. Alors bien sûr, par rapport à un billard réel, si j'ose dire, hein, on a négligé à la fois les forces de frottement, donc les particules ne s'arrêtent jamais, leur vitesse est constante au cours du temps, et on a aussi négligé tout ce qui est effet. Les particules sont des points, ce ne sont pas des boules qui vont avoir un mouvement de rotation. Donc c'est bien sûr un billard mathématique très idéalisé par rapport au billard réel. Ceci étant, voilà quelques tables qu'on peut vouloir considérer. Certaines sont très faciles à décrire, et d'ailleurs je vais en parler, c'est le cas du... Mais non, ça marche pas. Si, mais je vois, pourtant il est là-bas. Ah oui, il ne marche pas sur le... D'accord, j'ai compris. On ne le voit pas, d'accord, j'ai compris. Oui, je le vois sur le rideau, mais pas... D'accord, donc la table circulaire, vous verrez qu'elle est très simple. La table rectangulaire, je vais me dire. La table rectangulaire est également une table très simple. La table elliptique qui est ici est une table qui est parfaitement comprise, mais qui fait déjà appel à des propriétés géométriques intéressantes, qui remontent à Poncelet au XIXe siècle. Cette table-là est une table sur laquelle il y a des résultats récents, non triviaux, que je mentionnerai vers la fin de l'exposé. Ici, alors, cette table-là fait partie des systèmes qu'on appelle chaotiques, pour lesquels on comprend raisonnablement bien les choses, mais qui apparaissent, qui sont... C'est des systèmes dynamiques de nature très imprévisible. Donc, la structure du système, en quelque sorte, est bien comprise, mais par contre, la prédictabilité hein, des trajectoires est très faible. Et pour terminer, alors ça, c'est un système qui s'appelle le STAD, qui est historiquement important, mais dont je n'aurai pas vraiment le temps de parler, qui ressemble en fait à celui-là, d'une certaine façon. Celui-là est un système où on comprend pas mal de choses. C'est une table qui est convexe, comme vous voyez. Hein, c'est le genre de table sur laquelle on reprend pas mal de choses, mais il reste des questions ouvertes très importantes. Et là, c'est une table, simplement une forme relativement générale, j'ai envie de dire, un peu, que j'ai tracée un peu au hasard. Et ceci pour dire que sur cette forme générale, il y a encore énormément de choses à comprendre. En fait, ce genre de table, on le comprend encore très mal. Donc c'est juste pour dire qu'à l'intérieur, simplement en faisant varier la géométrie de cette table, hein, on passe de systèmes très simples et très bien compris, et avec une dynamique très régulière, à des systèmes qui sont raisonnablement bien compris, mais avec une dynamique très chaotique, et puis d'autres systèmes qu'on ne comprend pas. On ne sait pas vraiment s'ils sont plutôt réguliers, plutôt chaotiques. Voilà. Alors, un mot sur l'espace des phases. Un mot sur l'espace des phases. Donc, l'espace des phases, j'ai expliqué, c'est l'ensemble des états possibles du système. Alors, dans ce cas-là, comme les trajectoires sont rectilignes entre deux rebonds, on peut considérer que cette partie de la dynamique est parfaitement bien comprise. Peut-être que ça marchera. On peut essayer. Non. Non, ça marche. Bon, de toute façon, raté. Oui. Donc, on peut considérer entre deux rebonds, la trajectoire est complètement triviale. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre les rebonds.
Or, les rebonds sont donnés par deux paramètres. Un paramètre qui vous dit où le long du bord vous rebondissez, et puis il ne faut pas savoir seulement où on rebondit, mais il faut savoir sous quel angle on arrive sur le bord, puisque c'est cet angle d'incidence qui est aussi l'angle de réflexion, donc qui vous dit dans quelle direction vous allez repartir, et donc en prolongeant la trajectoire, quel sera le prochain rebond. Donc l'espace des phases, hein, dans ce cas-là, c'est simplement le produit du bord, donc une courbe, qui correspond à une courbe, par un angle qui varie entre 0 et pi. Donc, l'important à retenir, c'est que c'est donné par deux quantités. Hein, deux quantités, donc c'est un espace de dimension 2. Alors, par ailleurs, il y a une autre notion importante. Hein, voilà la loi d'évolution, que je ne cherche pas à écrire une formule. Hein, la loi d'évolution est décrite en termes de mots par ce qu'on a dit. Il y a une propriété importante que je n'ai pas mentionnée sur le transparent, c'est que c'est un système mécanique. Ça veut dire que il y a une énergie qui est conservée et ça veut dire que cette transformation en question a des propriétés de conservation qui seront importantes dans la préservation des airs. Alors, je commence par un exemple qui est la table la plus simple, c'est la table circulaire. Donc voilà la table circulaire et voilà une orbite particulière hein, du billard sur la table circulaire. Alors vous observez, hein, ça sera expliqué en mots sur le transparent suivant, enfin sur le slide suivant, hein, ce que vous observez, c'est que vous avez cette trajectoire qui commence au point 0, qui va au point 1, puis au point 2, etc. etc. Donc voilà les rebonds successifs. Hein, et vous observez que la trajectoire reste tangente à un certain cercle. Alors le cercle à laquelle la trajectoire est tangente dépend complètement de la trajectoire. Vous auriez pu avoir une trajectoire qui est plus rasante et le cercle serait plus gros, ou une trajectoire au contraire plus rentrante avec un angle d'incidence, enfin, d'incidence plus proche de pi sur 2, hein, et pour lequel le cercle... La reste technologique. Voilà, très bien. pour lequel le cercle serait plus petit. Hein, ceci étant, donc, l'important c'est qu'il y a toujours un cercle. Et ça permet justement de décrire, donc c'est une dynamique extrêmement régulière, hein, donc pour laquelle la dynamique est décrite de la façon suivante. Donc j'ai répété en phrase ce que je viens de dire en mots. Hein, l'angle d'incidence est toujours le même après chaque rebond, et donc ça veut dire, ça se traduit par le fait que les trajectoires restent tangentes. Hein, et donc quand on regarde dans l'espace des phases, vous vous rappelez qu'il y avait ces deux coordonnées, hein, une coordonnée qui correspondait au bord, donc qui est un cercle ici, hein, et une coordonnée qui est l'angle d'incidence. Mais en l'occurrence, cette coordonnée angle d'incidence reste la même toujours au cours du temps. Et donc ça vous dit que l'espace des phases est feuilleté de cette façon par des cercles invariants. Et sur chacun de ces cercles, la dynamique, c'est simplement une rotation. Vous avez remarqué qu'on peut déduire chaque rebond du rebond précédent simplement par un angle. L'angle dépend de la trajectoire, hein, c'est ce qui est exprimé ici. Hein, le θ, c'est l'angle d'incidence. Et vous voyez que vous avez une rotation qui a un nombre x associe le nombre x plus θ. Donc vous changez l'angle par un facteur, une addition d'un nombre constant. Ceci produit deux types de trajectoires. Hein. Soit l'angle θ en question est commensurable à pi, et à ce moment-là, ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre de rebonds, vous reviendrez exactement au rebond initial. Alors le cas extrême, par exemple, ça serait prendre un angle qui est pi sur 2, puisqu'à ce moment-là, les trajectoires sont simplement des rebonds où vous faites l'aller-retour en passant par le centre du cercle. Alors un angle, l'exemple de pi sur 3 correspondrait à un triangle équilatéral, de pi sur 4 à un carré, etc., etc. Donc toute une série de figures géométriques pour les trajectoires qui correspondent à différentes valeurs, donc de l'angle P sur Q qui est indiqué ici. Et puis, malgré tout, le cas, j'ai envie de dire général, hein, si vous prenez un nombre au hasard, c'est un nombre irrationnel, et donc dans ce cas-là, les trajectoires vont être denses sur le cercle. Hein. Donc, on a dit que l'espace des phases est partagé en cercles concentriques qui sont invariants, en cercles feuilletés en cercles invariants, mais ensuite, les trajectoires vont être denses, c'est-à-dire que les rebonds sur le bord, hein, l'ensemble des rebonds va être dense. Voilà. Donc, voilà pour le cercle, en quelque sorte, qui représente, j'ai envie de dire, le cas le plus simple de billard planaire. Alors, on a non seulement une question de densité, hein, mais on a une équirépartition. Hein, donc, ça veut dire, en termes pratiques, hein, c'est que si vous, dans le cas où l'angle en question est incommensurable à pi, eh bien, si vous prenez n'importe quel arc sur le bord, eh bien, le nombre de rebonds qui vont se produire dans cet arc, hein, sera exactement proportionnel, asymptotiquement parlant, quand le temps tend vers l'infini, hein, sera proportionnel à la longueur de l'arc. Donc c'est typiquement ce genre de propriété, ça c'est
genre de propriétés asymptotiques, statistiques, hein, qu'on cherche à étudier en système dynamique. Donc, voilà un exemple de telle propriété. Alors, du cercle, je passe à l'ellipse. Alors, je vous rappelle, pour les non-mathématiciens, qu'une ellipse, elle est caractérisée par deux points qui s'appellent les foyers de l'ellipse, et l'ellipse est le lieu des points dont la somme des distances à ces deux points, à ces deux foyers, hein, a une valeur donnée. Donc ici, j'ai dessiné avec une croix les foyers. C'est une ellipse, en général, on va voir tout de suite, étant donné deux foyers, deux points, il y a toute une famille d'ellipses qui admet ces deux points pour foyers. Alors, voilà une première propriété. Donc, les propriétés du billard dans l'ellipse, elles remontent en fait, peut-être même si elles n'ont pas été formulées en termes de système dynamique pour les billards, elles remontent au XIXe siècle aux travaux de Poncelet. Alors voilà une première propriété où vous voyez qu'une trajectoire qui passerait par un des foyers, hein, après le prochain rebond, va passer par l'autre foyer, hein, et alternativement passe par un puis l'autre foyer. Alors c'est une trajectoire très particulière, hein. Bien sûr, une trajectoire prise au hasard ne passera pas par les foyers, mais ces trajectoires particulières non seulement passent par les foyers, et ce qui est suggéré par la figure, et il n'est pas difficile à démontrer, hein, c'est que en fait, non seulement elles passent par les foyers, mais au cours du temps, elles vont s'aligner, aussi bien dans le passé que dans le futur, hein, elles vont s'aligner vers une trajectoire qui est simplement le grand axe de l'ellipse, hein, qui fait l'aller-retour horizontal entre les deux foyers. Alors voilà pour une première catégorie de trajectoire sur l'ellipse. Alors, qu'en est-il des autres ? Alors, voilà une notion, voilà une autre ellipse, une ellipse interne. Donc, il y a l'ellipse ici qui est le bord de la table. Et cette ellipse est une ellipse qui a les mêmes foyers, donc on appelle une ellipse homofocale, mais avec la propriété que la somme des distances ici est plus petite que la somme des distances correspondant à la grande ellipse qui est le bord de la table. Eh bien, cette ellipse a la propriété, hein, qui est une propriété qu'on reconnaît du cercle en quelque sorte. Hein, si vous prenez une trajectoire donc, qui commence, alors je ne sais plus, ma trajectoire commence ici, hein, une trajectoire qui est tangente la première fois à cette ellipse, eh bien elle va continuer à l'être au cours du temps. Hein, vous voyez que la première tangence entraîne les tangences consécutives, hein, et donc vous allez comme ceci pouvoir, vous voyez une grande régularité, et en fait la ressemblance au cas du cercle est plus forte que ça, est plus forte que ça, parce qu'en en fait, on peut même paramétrer de façon appropriée le bord, de façon à ce que, à nouveau, comme dans le cas du cercle, les rebonds successifs se déduisent les uns des autres par une certaine rotation, en paramétrant convenablement le bord du cercle, de l'ellipse. Pardon. Alors, qu'en est-il Alors, vous voyez qu'ici, ça correspond à des trajectoires qui ne passent jamais entre les foyers. Hein, c'est en particulier une propriété assez remarquable, que si initialement, dans le premier rebond, on ne passe pas entre les foyers, eh bien on ne passera jamais entre les foyers. Alors, en fait, que se passe-t-il pour une trajectoire qui passerait entre les foyers ? Il y a un phénomène similaire, simplement il faut remplacer les ellipses par des hyperboles. Cette fois-ci, cette hyperbole a la propriété que la différence entre les distances aux deux foyers est une valeur donnée. Et de nouveau, hein, si vous avez une trajectoire qui est tangente, alors ici, à cette hyperbole, une première fois, eh bien, après le rebond, elle sera à nouveau tangente, en fait, à l'autre brin d'hyperbole, et ça continuera comme ça. Donc, voilà une autre... Et alors, bon, je ne vais peut-être pas passer trop de temps pour les non-mathématiciens sur cette figure, mais en fait, comme système dynamique, cette ellipse ressemble absolument au pendule. Hein, au pendule, vous reconnaissez ici ce qu'on appelle l'espace des phases du pendule, ou alors le pendule, je vous rappelle, c'était le pendule pesant, hein, où on essaye juste de décrire le mouvement de quelque chose suspendu. Alors, hein, voilà, un pendule pesant. Et donc, où la variable qui varie, c'est l'angle. Hein, et il possède deux positions d'équilibre. En voilà une, c'est la position d'équilibre stable qui correspond à ce point-là. Hein, et ce point-là correspond dans le billard elliptique, qui correspond au petit axe. Et un autre équilibre qui est l'équilibre instable, alors vous voyez pourquoi il est instable, hein, mais en principe, si la position est parfaitement verticale, elle le reste. Bien sûr, le problème, c'est que la position n'est jamais parfaitement verticale, qui correspond à ce point-là, hein, et qui correspond au grand axe de l'ellipse.
Et vous avez ces trajectoires particulièrement intéressantes. Ça correspond dans l'ellipse aux trajectoires hein, qui passaient par les foyers et qui, aussi bien dans le passé que dans le futur, hein, convergeaient vers ces équilibres instables. De la même façon, ça correspond pour le pendule hein, à cette trajectoire qui part de l'équilibre instable, qui ferait un tour complet, oui, évidemment je triche, et qui reviendrait à l'équilibre instable. Hein, tout ceci en un temps infiniment long. Alors voilà pour le billard elliptique. Ce billard elliptique déjà présente, enfin, on peut déjà poser des questions. Hein, vous voyez que ce qu'on a vu dans le billard elliptique, et encore mieux dans le billard circulaire, enfin le cercle n'est rien d'autre qu'une ellipse particulière, hein, on a vu que n'importe quelle trajectoire reste en fait tangente à une certaine courbe qui était dans le cas de l'ellipse, soit une ellipse, soit une hyperbole, mais reste trajectoire tangente à une certaine courbe qu'on appelle une postique. Hein, on peut se demander, donc, ça correspond dans l'espace des phases, hein, au fait que l'espace des phases, comme on l'a vu d'ailleurs sur le dessin qui est ici, est en fait feuilleté en courbes. Hein. Alors, par exemple, ces courbes-là correspondent aux courbes, j'aurais dû le dire, tangentes aux ellipses homofocales, tandis que ces courbes-là correspondent aux courbes tangentes aux hyperboles homofocales. Mais enfin, en tout cas, tout l'espace, à l'exception de ces deux points exceptionnels qui correspondent aux équilibres, hein, est feuilleté par ces courbes invariantes par la dynamique. Donc, d'une certaine façon, la dynamique qui est au départ se passe dans un espace des phases de dimension 2, en fait, se restreint à un espace de phase de dimension 1, qui est la courbe sur laquelle vous vous trouvez. Alors, je suis allé un peu trop vite. Donc, on peut se demander inversement, et c'est une question qui reste ouverte, hein, supposez que vous ayez un billard, alors on va rester dans la classe des billards strictement convexes, hein, vous ayez un billard pour lequel cette propriété est vraie. Hein, eh bien, on peut se demander, est-ce que ça suffit à caractériser les ellipses? Et donc, voilà déjà une question ouverte hein, sur ces billards pour lesquels on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Alors, malgré tout, sur les billards strictement convexes, hein, on sait beaucoup de choses. Alors, donc, billard strictement convexe, vous pouvez y penser comme une généralisation hein, des billards elliptiques. Les tables elliptiques sont certainement des tables convexes, strictement convexes, mais bien sûr, les tables strictement convexes générales sont beaucoup plus générales, enfin, il y en a beaucoup plus que des tables elliptiques. Alors, il y a un théorème qui vient de ce qu'on appelle la théorie CAM, hein, qui dit la chose suivante. Si le bord est suffisamment lisse, donc il faut, alors là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin il faut vraiment qu'on puisse tracer suffisamment, prendre suffisamment de dérivés du bord, et si la courbure est effectivement partout strictement positive, alors c'est peut-être pas vrai que toutes les courbes sont tangentes à des caustiques, mais malgré tout c'est vrai pour la plupart des courbes suffisamment rasantes, et donc ça veut dire suffisamment près du bord. Hein, si une courbe est suffisamment rasante, eh bien il y a une très grande chance. Il y a une très grande chance que la courbe en question, la trajectoire en question, soit effectivement tangente à une caustique et avec la propriété supplémentaire qui a déjà été mentionnée pour le cercle, que sur la courbe invariante dans l'espace des phases qui correspond à cette caustique, la dynamique soit simplement la dynamique d'une rotation. Hein, la dynamique x donne x plus alpha qui est indiquée ici. Donc, c'est peut-être pas vrai. Birkhoff demandait qu'est-ce qui se passe, est-ce que si c'est vrai pour toutes les trajectoires, est-ce que c'est une ellipse? Alors là, c'est une réponse en quelque sorte partielle dans l'autre sens. Ça vous dit, bon, c'est pas forcément une ellipse ici, c'est simplement une table strictement convexe, mais malgré tout, il y a une très grande probabilité que la trajectoire que vous considériez soit tangente à une caustique. Alors j'ai mis ici quelques noms en quelque sorte. D'abord, les idées en quelque sorte derrière ce théorème remontent à trois mathématiciens qui ont donné leurs initiales à la théorie CAM, Kolmogorov, Arnold, Moser, et dans la version spécifique concernant le billard ici, le billard strictement convexe, c'est dû à Lazutkin et Raphaël Guadi. Alors, je change en quelque sorte de géométrie. Hein. On a considéré jusqu'à maintenant des trajectoires avec des bords bien lisses. Là, je reviens maintenant, j'ai envie de dire, au billard que vous connaissez tous. Hein, une table rectangulaire. Alors, une table rectangulaire, c'est en fait pas beaucoup, c'est essentiellement pas plus compliqué qu'une table circulaire, pour des raisons un peu différentes. Donc, voilà une table rectangulaire. Et il y a une première idée, c'est que pour analyser une table rectangulaire, eh bien, au lieu de réfléchir en quelque sorte
la trajectoire, il faut mieux réfléchir la table. C'est-à-dire que vous voyez ici que la trajectoire, typiquement, prendra quatre directions différentes. Ici, j'ai envie de dire une direction nord-ouest, nord-est, puis une direction sud-est, puis une direction sud-ouest, et puis ensuite ici une direction nord-ouest, hein, et puis que ces directions se répètent. Oui, j'aurais dû commencer ici d'ailleurs, mais enfin, toujours est-il que vous voyez qu'il ne va avoir que quatre possibilités pour les directions des trajectoires, bon, qui dépend bien sûr de la direction initiale. Enfin, une fois que vous êtes donné la direction initiale, hein, les directions vont se répéter parmi quatre possibilités. Et en fait, si vous faites l'opération de réflexion de la table, hein, vous voyez qu'ici, j'ai remplacé la table par quatre tables qui correspondent aux quatre directions possibles. Donc vous voyez qu'ici, au lieu de réfléchir la trajectoire, je fais continuer la trajectoire en pointillé. Puis quand elle se réfléchit une seconde fois ici, je la fais continuer par ici. Ça correspond à ce morceau de trajectoire. Puis la réflexion ici correspond... Alors ici, j'ai fait une opération à laquelle vous devriez être familier à cause des jeux vidéo. Hein, c'est un écran de télévision où les trajectoires, les particules, quand elles disparaissent en haut de l'écran, réapparaissent en bas. Quand elles disparaissent à droite de l'écran, réapparaissent à gauche. Hein, donc, je veux dire, on obtient un objet géométrique qui s'appelle un tore, hein, mais disons qui est familier quand on joue à des jeux vidéo. Donc, la trajectoire, quand elle est arrivée ici, elle réapparaît ici, hein, et ça correspond à ce morceau de trajectoire. Et finalement, quand elle réapparaît ici, elle est de nouveau identifiée ici, et cette fois-ci, elle suit ça. Puis là, de nouveau, une réflexion, elle continue, etc. Donc, vous voyez que comprendre la trajectoire dans le rectangle qui est ici, c'est la même chose que comprendre cette trajectoire complètement rectiligne, mais en quelque sorte, on a transféré la difficulté, si on n'y en a pas vraiment dans ce cadre-là, mais enfin, on a transformé le problème de comprendre les réflexions ici à comprendre l'espace géométrique où a lieu cette trajectoire rectiligne. Puisqu'une trajectoire rectiligne, c'est quand même une trajectoire essentiellement triviale, hein, ce qu'il y a de non trivial dans cette figure, hein, c'est l'objet géométrique tore. Ce rectangle où on a recollé les côtés opposés, hein, et qui donc comprendre comment se passent sur cet objet les trajectoires rectilignes. Alors, sur cet objet particulier, ce n'est pas bien difficile, hein, puisque, donc, voilà le mot tore, hein, et on a essentiellement la même discussion qu'on avait pour la table circulaire, hein, c'est-à-dire que soit on a une pente qui est commensurable au... Alors, B sur A, c'est les dimensions de la table, donc si la pente est commensurable au rapport longueur-hauteur de la table, la trajectoire va être fermée, comme ça correspondait, dans le cas du billard circulaire, à un angle commensurable avec pi, donc trajectoire fermée qui se répète périodiquement, et puis au contraire, c'est juste des cas particuliers qui correspondent à des pentes zéro et infinies, mais autrement, donc, les autres trajectoires vont être denses et de nouveau équiréparties. Alors, une autre formulation, il y a plusieurs façons de dire qu'elles sont équiréparties. Ici, je peux le dire en termes de ce qui se passe. Alors, c'est ce qui se passe dans le rectangle. Hein, si on prend une partie du rectangle qu'on appelle A, eh bien, le temps que l'orbite va passer dans A est asymptotiquement proportionnel à la surface, hein, à l'aire relative de A, l'aire relative par rapport à l'aire totale du rectangle. Voilà. Alors, j'arrive maintenant... Alors, le rectangle, c'est quand même malgré tout un objet qui est compris depuis longtemps. Enfin, je veux dire, le billard dans le rectangle, c'est quelque chose qui est compris depuis longtemps. Par contre, ce billard-là, hein, fait l'objet de recherches tout à fait actuelles. Je vais mentionner un résultat qui est tout à fait récent. Alors, ce billard-là n'est pas bien différent de... Ici, c'est juste un billard qui est fait de 3 carrés. Hein. J'ai pris toutes les dimensions égales. Donc, c'est juste un billard qui est fait de 3 carrés. Et bon, ben voilà une trajectoire typique. Et de la même façon que pour le rectangle, hein, vous voyez qu'il n'y a que quatre directions possibles, donc de nouveau, hein, nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest, comme direction, etc., etc. Donc que vous répétez, alors vous répétez dans un ordre qui peut être assez compliqué, puisque ça dépend évidemment comment vous rebondissez. Hein, quand vous partez dans une direction de type nord-est, vous pouvez soit rebondir vers le nord-ouest, comme c'est le cas ici, soit rebondir vers le sud-est, comme c'est le cas ici. Voilà, disons, l'objet de départ. Et la même idée fonctionne, hein, la même idée qui est de faire la réflexion de la table. Alors évidemment, l'objet qu'on obtient, comme la table est plus compliquée au départ, l'objet qu'on obtient par réflexion est lui-même plus compliqué. Voilà l'objet en question. Donc j'ai fait, donc voilà la trajectoire que j'avais. J'ai fait une réflexion
ici qui permet de, quand on disparaît ici, de réapparaître ici. J'ai donné les mêmes noms en haut et en bas, V1. Hein. Ensuite, quand on arrive ici, qui correspondait à arriver ici, hein, on réapparaît, c'est le côté A qui est aussi placé ici, puis on revient ici. Alors là, on revient dans la table initiale, en quelque sorte. En C1, on réapparaît ici, etc. Le B réapparaît ici. Bon, voilà, le principe est exactement le même, mais vous voyez, l'objet est nettement plus compliqué, puisqu'il faut recoller ces deux côtés D1 et D1, C2 et C2, B et B, A et A, etc. C'est un objet géométriquement nettement plus compliqué. Voilà une autre façon de le représenter. Hein, c'est juste le même objet où j'ai un peu déplacé certains objets, enfin, profité des recollements pour le simplifier un peu. Donc c'est nouveau, une figure de L, simplement avec des dimensions deux fois plus grosses que la figure initiale, hein, mais où vous devez recoller ce côté D avec ce côté D, ce côté A' avec ce côté A', ce côté B' avec ce côté B', et ce côté C avec ce côté C. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme objet? Alors, c'est évidemment plus compliqué que le tore précédent. En fait, une façon de voir que c'est plus compliqué, hein, est de regarder ce qui se passe autour de ces sommets. Hein, si vous commencez à tourner autour de ce sommet, vous voyez que comme vous avez recollé ce côté A' avec ce côté A', vous réapparaissez ici. Vous continuez à tourner ici, mais vous recollez, donc vous réapparaissez ici. Puis, bon, vous êtes ici en 2, puis en 3, puis en 4, puis en 5, pardon, puis en 6, puis en 7, et puis finalement, ce point-là est finalement recollé ici. Donc vous voyez que tous ces points sont en fait identifiés, hein, dans cette figure géométrique, et que si vous comptez le total, l'angle total autour de ce point, hein, eh bien, ça veut dire que vous apercevez, hein, que vous avez un angle total qui est égal à 6 fois pi. Donc, trois fois trop, j'ai envie de dire. Hein. Normalement, quand vous tournez autour d'un point normal, j'ai envie de dire, hein, l'angle total est bien sûr 2π, et ça correspond à ce qu'on appelle une géométrie plate. Ici, il y a un excédent d'angle, hein, qui correspond à une géométrie, pour les mathématiciens, bien sûr, c'est classique. Pour les non-mathématiciens, c'est la géométrie à courbure négative qui a été découverte au 19e siècle par Gauss, Bolyai, Lobachevsky, etc. Donc, une nouvelle géométrie sur laquelle vous allez de nouveau faire des trajectoires rectilignes, hein, mais des trajectoires rectilignes dans un contexte différent. Alors, malgré tout, en quelque sorte, la courbure en question est complètement concentrée en ce point particulier. Donc, elle n'est pas en quelque sorte diffuse et répartie sur toute la surface, hein, elle est concentrée en un point particulier, ce qui fait que ce flot rectiligne, ce qu'on appelle flot géodésique sur cette surface, hein, va en fait partager à la fois des propriétés qui viennent des surfaces plates et d'autres qui viennent plutôt de la courbure négative. Alors, voilà deux façons, enfin je veux dire, d'abord pour ce qui concerne la ressemblance avec le cas rectangulaire par exemple, le cas du tore. Eh bien, d'abord, ça sera toujours la même chose. Lorsque la pente est rationnelle, la trajectoire est fermée, se répète périodiquement. Donc très facile à comprendre. Et par contre, sinon, elle est dense et puis répartie. Donc là, sur cet énoncé, c'est exactement le même que pour le rectangle. Maintenant, je vais vers un résultat. Alors ça, c'est un résultat, malgré tout, qui a 30 ans, 25 ans. Hein, donc c'est pas quelque chose de complètement préhistorique. Par contre, je vais arriver à un résultat qui est maintenant depuis 2006 ou 2007, je pense. D'abord, je reformule l'équirépartition avant de parler du résultat lui-même. Donc, une façon de dire cette équirépartition, c'est de dire que si je prends un segment vertical à l'intérieur de la table et que si j'essaye de compter combien de fois une trajectoire va rencontrer ce segment, hein, donc voilà ce qui est écrit, ns de x theta t, donc theta c'est la direction dans laquelle la trajectoire initiale se va et t c'est le temps pendant lequel vous la considérez. Eh bien, l'équirépartition signifie la chose suivante, hein, c'est ce que j'ai expliqué, la proportion, le nombre de fois par rapport au temps que vous rencontrez ce segment. Alors, θ, c'est juste parce que vous partez dans la direction θ, et S, c'est parce que justement, c'est proportionnel à la longueur du segment en question, 3L représentant la longueur totale des segments verticaux sur le bord de la table. C'est pour ça qu'il n'y a que 3L. Voilà, donc ça, c'est l'équirépartition, c'est juste une reformulation de l'équirépartition. Maintenant, quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant, hein, c'est de se demander comment, si vous considérez deux segments différents, S et S', hein, comment est-ce que la différence... Alors, c'est deux segments de la même longueur.
Donc, dans la formule précédente, hein, ce terme-là sera exactement le même pour S et pour S', la même limite. Donc, ça vous dit que la croissance linéaire de ce terme-là, hein, est la même. Donc, vous pouvez automatiquement, c'est un réflexe de mathématicien, hein, de s'intéresser à la différence entre les deux. Donc, il y a deux termes qui croisent de la même façon. Est-ce que la différence entre les deux, à quelle vitesse elle oscille ? Elle varie. Hein, et donc, c'est un résultat. Alors, voilà le résultat. Hein, c'est que si vous prenez une position initiale arbitraire et si vous prenez n'importe quoi, une direction θ choisie au hasard, c'est-à-dire avec probabilité 1, je ne veux pas essayer de donner un énoncé technique, eh bien, quand vous regardez la différence, hein, entre ces deux quantités, hein, donc les deux quantités croissent de façon linéaire, proportionnelle au temps, eh bien, la différence entre les deux, par contre, est au maximum de l'ordre de t puissance 1 tiers. Et alors, juste pour expliquer, ce coefficient 1 tiers, hein, est très caché, j'ai envie de dire. Ce n'est pas du tout un coefficient intuitif et qu'on aurait pu deviner au départ. Il a en fait d'abord été découvert numériquement et ensuite démontré. Et donc là, j'ai mis une liste de quelques noms, en quelque sorte, qui sont directement reliés à l'estimation de ce coefficient, enfin, j'ai envie de dire de façon plus large, aux travaux qui ont mené à la détermination de ce coefficient. Je devrais dire aussi que c'est un cas particulier d'un résultat plus général, mais qui est beaucoup plus technique et qui n'est pas question que je présente ici. Alors, c'est juste pour comparer à la table rectangulaire. Ben, dans une table rectangulaire, au contraire, la même quantité que vous pouvez évidemment former en mettant deux segments croît beaucoup moins vite. Hein, donc, c'est en quelque sorte la table en L que je viens de décrire. Hein, donc, beaucoup moins vite, ça veut dire que vous pourriez remplacer ici le 1 tiers par n'importe quel nombre strictement positif. Donc, ça croît moins vite que n'importe quelle puissance de t. Hein, donc, en quelque sorte, ça vous indique. Bon, c'est une façon peut-être un peu simpliste de le dire, mais enfin, qu'il y a une certaine influence de cette courbure négative, hein, ici dans le billard en. Alors, pour terminer, quelques mots, mais je ne veux pas en dire plus, hein, sur les billards, sur une troisième catégorie billard, j'ai envie de dire, qui sont les billards qu'on appelle dispersifs. Alors ici, c'est un billard, vous pourriez considérer que ici, le bord est un rectangle, ou alors peut-être un torbe, enfin disons un rectangle. Voilà, effectivement, celle que je vais dessiner, c'est un rectangle. Et puis, vous avez un obstacle. Hein, cet obstacle est concave. Hein, il est strictement concave, donc, par contre, il n'a pas... comme obstacle strictement concave, pas de forme particulière. Alors, vous voyez immédiatement sur le dessin d'une trajectoire prise un peu au hasard, hein, que les trajectoires sont visiblement beaucoup plus compliquées à comprendre individuellement, hein, que les trajectoires dans le rectangle ou dans le cercle ou dans l'ellipse. Alors, le phénomène fondamental, et la raison pour laquelle on appelle ces billards des billards dispersifs, hein, c'est que la concavité de l'obstacle, hein, comme c'est indiqué ici, tend à séparer les trajectoires. Vous voyez ici deux trajectoires parallèles, hein, mais qui, après le rebond, tendent à se séparer. Là, elles se sont déjà plus ou moins séparées, mais elles vont être encore plus séparées. Alors, il y a un effet ici de divergence des trajectoires, hein, divergence exponentielle, c'est-à-dire chaque rebond tend à séparer un peu plus les trajectoires et à multiplier l'angle de séparation par une certaine quantité. Donc, ça correspond... Alors, il faut voir ça de deux façons, en quelque sorte. Du point de vue de la prédictibilité, hein, ça veut dire qu'on tombe dans une classe de système qu'on appelle chaotique. D'un point de vue technique, ça veut dire qu'un exposant Lyapunov est strictement positif. Ça correspond à ce taux de divergence exponentielle. Hein, et donc, effectivement, mauvais, enfin, du point de vue de la prédictibilité. D'un autre côté, c'est des systèmes qui, contrairement, par exemple, aux tables strictement convexes générales, hein, sont des systèmes dont on comprend assez bien la structure, hein, en tout cas beaucoup mieux que dans les tables strictement convexes, précisément parce que cet effet de divergence exponentielle organise considérablement l'espace des phases. Hein. Donc, à la fois, le mot chaotique est un peu ambigu, c'est-à-dire qu'il correspond certainement, quand on parle de dynamique chaotique, à cette faible prédictibilité des trajectoires. Hein, mais d'un autre côté, du point de vue de la structure, c'est très loin d'être chaotique. C'est une structure très organisée. Voilà. Alors, je crois qu'en fait, je voulais m'arrêter là. Je termine en quelque sorte par une citation que j'aime beaucoup, donc que je place en fait, en quelque sorte, chaque fois que je peux dans un exposé. C'est une citation
Alors, que je donne ici en français, bien que le texte soit original, soit en anglais, hein, donc que je vous laisse lire, ça ne sert à rien que je... Donc, je vous laisse lire. C'est une citation donc, de 1843, donc bien avant tout ce qui a été fait mathématiquement sur le sujet. Alors ici, c'est, bon, c'est une citation pour stopper le mystère, une citation de Edgar Poe, hein, et j'ai mis la traduction de Charles Baudelaire, parce que malgré tout, c'est quand même une très belle traduction. Et comme vous voyez, en fait, bon, c'est une des histoires, hein, c'est une des histoires d'Edgar Poe, une des trois, avec le double assassinat à la rue Morgue et la reine lettre volée, où le chevalier, enfin, le héros, c'est le chevalier Dupin, qui est un détective amateur, hein, et qui explique ici, dans ce texte, hein, comment, effectivement, quand on fait des déductions logiques à partir, en l'occurrence, des faits d'une enquête policière, hein, la moindre erreur initiale provoque, et c'est vraiment dit de façon très... la force accumulative de la multiplication, hein, c'est une expression qui correspond exactement à ce qui se passe dans l'espace des phases, pour, pas seulement pour un billard dispersif, mais toute une série de systèmes dynamiques. Hein, c'est vraiment cette force accumulative de la multiplication qui rend les systèmes complètement imprédictibles. Donc, simplement, j'adore cette citation parce qu'on a vraiment une intuition assez très en avant sur son temps, sur cet aspect, disons, effet papillon. Je vous remercie. Quelques questions ou des demandes? Oui, alors, danse, ça veut dire qu'on s'approche aussi près qu'on veut de n'importe quel endroit. D'une certaine façon, avec une courbe, on ne peut jamais remplir une surface, une courbe lisse, alors bon, pour être technique. Mais par contre, la courbe, une courbe infinie, hein, je pense à une courbe infinie, elle peut, même si elle ne peut pas complètement remplir, elle peut passer à tant d'endroits différents qu'au bout du compte, n'importe quel endroit de la surface, en quelque sorte, est approché par un point de la courbe. Oui, je suis désolé, il y avait quelques termes techniques que j'ai pas suffisamment détaillés. Autre demande? Moi, je te pose une question, parce que les billards sont quand même un exemple favori aussi en physique, parce qu'il y a oui. La métrique de Jacobi, c'est-à-dire qu'il y a, pour les systèmes conservatifs, on sait, hamiltonien, qu'on peut toujours le réduire avec un choix approprié, un exemple de billard. Est-ce que, à ton avis, c'est envisageable de penser que, si on prend un contexte plus large, vraiment, les billards sont capables de essentiellement produire tous les comportements dynamiques qu'on peut s'attendre bien au-delà de ça. En restant dans le cas conservatif, oui, mais pas forcément... C'est ce que j'allais dire. Il y a une situation évidente, c'est que c'est des systèmes... Et est-ce que tu peux faire un commentaire et expliquer un peu ça, si tu veux. Non, alors, par exemple, vous avez peut-être, beaucoup d'entre vous ont entendu le mot attracteur. Le mot attracteur correspond à un comportement dynamique sur lequel les comportements voisins s'accumulent. Mais c'est un comportement, enfin, dynamiquement parlant, qui est incompatible avec une conservation de l'énergie, donc qui peut se produire tout à fait dans des systèmes, disons, physiques ou n'importe quoi, biologiques, économiques, avec un aspect, disons, de frottement, hein, donc qui correspond à des systèmes tout à fait réalistes. Mais pour des systèmes idéalisés où il y a conservation de l'énergie, c'est des comportements qui ne sont pas possibles. Donc ça vit dans un autre monde, j'ai envie de dire, des systèmes dynamiques. Alors, concernant les systèmes conservatifs, il y a malgré tout quand même des limitations liées au fait que l'espace des phases est de dimension 2. Hein, donc, par exemple, par rapport à cette théorie CAM, où effectivement, il se trouve que les courbes invariantes, ici, confinaient en quelque sorte ce qui vient, par exemple, dans le cas des tables strictement convexes, où la plupart des courbes proches du bord sont tangentes à une caustique, un corollaire, c'est que n'importe quelle courbe proche du bord, relativement rasante, va rester proche du bord, pas forcément proche d'une caustique, mais elle ne peut pas commencer à faire des choses proches d'un diamètre. Enfin, je veux dire, donc il y a des limites. Ça, c'est lié à l'aspect que l'espace des phases est dimension 2. Malgré tout, ceci étant, on peut formuler quelques-unes des questions principales sur les systèmes dynamiques, les formuler simplement sur les billards,
Et d'une certaine façon, par exemple, une question fondamentale dans ce cadre, que je n'ai pas indiqué ici, c'est, donc on a vu à la fin ces billards dispersifs avec cet aspect divergence exponentielle des trajectoires, mathématiquement on dit exposant de Lyapunov strictement positif. Ben, on ne sait pas du tout ce qui se passe pour une table strictement convexe. Une table strictement convexe, on a vu qu'il y a beaucoup de trajectoires régulières, une proportion qui est, en tout cas quand la trajectoire est proche du bord, une proportion qui est proche de 1. Mais on ne sait pas du tout, et absolument pas, s'il y a des trajectoires en nombre significatif, en proportion significative, est-ce qu'il y a des trajectoires chaotiques sur lesquelles on observe de l'effet papillon ? On pense que c'est vrai, mais on est complètement incapable de le démontrer. Alors, c'est vrai, je veux dire, c'est une question qui se pose dans un cadre beaucoup plus général de système dynamique, mais qui est tout aussi difficile pour les billards. Et je pense que, évidemment, si on avait une idée sur les billards, on aurait aussi déjà une idée dans le cadre plus général. Hein ? L'effet papillon, c'était cet aspect de divergence exponentielle. Ce qui est encore au tableau, en quelque sorte, c'est la force accumulative de la multiplication. Hein, et donc, en quelque sorte, si on double l'erreur, si on connaît au départ quelque chose avec une précision de 10 puissance moins 10, mais qu'à chaque rebond, on perd une précision de 2, eh bien, au bout d'une trentaine de rebonds, on ne sait plus rien dire. Une trentaine de rebonds, c'est quelque chose de relativement rapide. Et on ne sait plus rien dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que même les ordinateurs les plus puissants perdent rapidement le contrôle. C'est pas une question de... Enfin, dire, la force accumulative tue même les ordinateurs, j'ai envie de dire. C'est l'effet qui est illustré parfaitement par le movie Hollywood Party de Peter Sellers. L'effet papillon. C'est la cascade des, des perturbations. Des autres questions ? Allora, se non ci sono altre domande, ringraziamo di nuovo il professor Iocoz per la conferenza. Ringrazio tutte le, l'ambasciatore e tutte le autorità presenti per essere state qui. E c'è una seconda parte della celebrazione di oggi che ha carattere decisamente più scientifico, che ha luogo dopo una pausa per un caffè, quindi ci rivediamo qui alle 5 per l'inizio ufficiale in qualche maniera del